Aujourd'hui, 14 juillet, nous sommes réunis place de la Révolution pour honorer celles et ceux qui se sont mobilisés, les premiers de corvée. Nous sommes là également pour dire que nous n'oublierons pas aux fossoyeurs de nos services publics. Nous leur remettons cette médaille du mépris et nous leur crions plus jamais ça. Cette médaille, c'est un peu comme un pied de nez à l'hommage de la Concorde rendu au même moment aux 1400 premiers de cordée. Des enseignants, des soignants, des caissières, des éboueurs, invités par le président de la République. C'est bien beau, là, aujourd'hui, à Paris, de faire un hommage. Ce n'est pas un hommage que les gens veulent. C'est des réelles conditions de travail et puis faire un travail où on est bien et où on respecte les personnes. CGT et Sud Santé sont aux côtés de ce nouveau comité de défense de la santé à l'origine de ce rassemblement. Ils ont refusé de signer le Ségur de la santé, 7,5 milliards d'euros obtenus pour revaloriser les salaires des soignants, soit un peu plus de 180 euros mensuels d'augmentation. Les 300 euros qu'on demandait, ce n'était pas un caprice, c'était ce qui correspondait au gel du point d'indice depuis plus de 15 ans pour tous les fonctionnaires. Donc ce n'est pas la crise du Covid qui nous fait mériter les 300 euros, c'est le travail qu'on fournit depuis des années pour lequel on n'est pas reconnu. Voici venir les comptes du goût. Et c'est une autre Marseillaise que les manifestants ont choisi d'entonner. Notre service public en démonte. C'est avant tout révolutionnaire, c'est pour remettre en cause tout le système actuel. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. À Besançon, Paris et quelques autres villes, ce 14 juillet n'aura pas été un jour de totale concorde nationale. Là, on s'est joué.